Frères et sœurs, c'est justement en pensant à ce terme agnostique que j'ai réfléchi à un texte qui pourrait accompagner notre méditation ce matin. Et c'est donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25 que je vous invite à entendre un récit, une parabole, c'est-à-dire une histoire que raconte Jésus pour nous faire accéder à une meilleure compréhension de ce qu'est la foi, de ce qu'est la vie telle que Dieu l'espère pour nous. Une parabole très connue, la parabole dite des talents, que l'on trouve donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14. Voici ce que raconte Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. » Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et malheureux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Avant d'entrer en dialogue avec cette parabole, nous allons chanter ce cantique 297 dans notre recueil Louanges et prières. Nous chanterons les strophes 1, 2,
et 3 de ce cantique 297. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce.
Chers frères et sœurs, la vie, c'est une pomme de terre. Crue. Et nous sommes une paille bien emballée. Face à une pomme de terre tout à fait crue, vous comprenez bien que la petite paille a de quoi se sentir bien fragile, bien faible, bien incapable de quoi que ce soit si la pomme de terre crue vient faire obstacle à son chemin. Ainsi en va-t-il de ce serviteur à qui le maître a donné un talent et qui va l'enterrer pour le cacher. Ainsi en va-t-il de nous à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation semblable à une pomme de terre crue. Qu'a-t-elle de particulier, cette pomme de terre crue? Elle est dure. Elle est dure comme le maître de ce serviteur qui a reçu un talent. « Je savais que tu es un homme dur », dit-il au moment de se présenter à son maître. « Tu es dur. » En grec, « tu es sclérosé ». Rien de moins. Face à la dureté d'une situation, ce serviteur a appliqué la politique de l'autruche qui consiste à faire profil bas, à se terrer, à se cacher, du moins à cacher son talent. Comme il le dit lui-même, ce qui a motivé sa conduite, c'est la peur. La peur qu'engendre la dureté de son maître, dont il dit qu'il moissonne là où il n'a pas semé, qu'il rassemble là où il n'a pas vanné. Bref, un maître qui dépasse les bornes, qui a une conduite déraisonnable, au-delà de la raison, qui est suffisamment étrange pour nous inquiéter et nous faire peur. Le serviteur a peur. Il a peur de la réaction de son maître. Peur du « qu'en dira-t-il ?» Peur de perdre la face. Peur de perdre le talent qui lui a été confié et il préfère le mettre en sécurité au fin fond de la terre. Peur de perdre au change. La peur est vraiment mauvaise conseillère. Elle fait faire n'importe quoi. La peur réduit notre capacité d'action. Elle nous tétanise. Elle nous fait nous replier sur nous-mêmes. Et pourtant, ce serviteur, moi, je le comprends très bien. Et je pense que tous ensemble, nous le comprenons parfaitement. D'autant mieux qu'il nous arrive, à nous aussi, d'être face à des situations aussi dures qu'une pomme de terre crue, qui nous font perdre nos moyens, qui nous font perdre nos facultés. Ce serviteur, c'est l'étudiant qui se retrouve muet devant son examinateur. Ce serviteur, c'est cette personne qui tremble quand elle passe son permis de conduire et qui oublie de regarder dans le rétroviseur, de mettre son clignotant alors qu'elle le fait toujours en temps normal. Ce serviteur, c'est cet employé qui doit présenter son projet à son chef de service et qui a peur de ne pas être à la hauteur de la situation. C'est cette chanteuse qui se retrouve à faune devant le public. C'est l'acteur qui oublie son texte une fois sur scène. C'est l'homme qui est désemparé par la grave maladie de son ami et qui a tellement peur de le blesser un peu plus qu'il en devient maladroit et finalement blessant. Ce serviteur, c'est l'amoureux qui a peur de perdre son être chéri et qui en devient gauche et désagréable. La peur nous fige, elle nous sclérose, elle nous endurcit et, comble du paradoxe, elle rend les choses encore plus dures, encore plus difficile à affronter. Ce serviteur rend son maître dur, plus dur encore qu'une pomme de terre crue.
Il en fait un être au cœur de pierre, un être impitoyable. Pourquoi ? Parce qu'il pense savoir. Je savais que tu es un homme dur. Le drame de cette scène, je pense, est le savoir de ce serviteur. Ce savoir qui fige l'autre dans une image dont il ne pourra plus s'échapper. Le serviteur durcit le trait. Il sclérose un peu plus son maître et s'enfonce dans un cercle vicieux où la peur endurcit et fait encore plus peur. Le drame de cette scène est ce savoir qui fixe tout et qui empêche la vie. La gnose, puisque c'est ce terme que la langue grecque emploie, la gnose, le savoir, enferme la vie dans ces fameux stéréotypes qui emprisonnent, qui pétrifient, qui arrêtent le dynamisme de la vie. Quand on sait quelque chose sur quelque chose, c'est que cette chose a cessé de vivre. Un savoir, c'est toujours sur quelque chose de figé, de déterminé. La vie, qui est ce processus de changement incessant, est comme arrêtée dans sa course par le savoir, par une sorte d'image fixe, à un instant T. Mais le savoir est toujours à la traîne de la vie, qui lui n'en finit pas de se développer, de croître, de changer, de se métamorphoser, de progresser, peut-être de diminuer aussi parfois. Ce serviteur s'est enfermé dans son obsession intérieure et y a enfermé son talent avec. Et sa vie s'est comme arrêtée dans son élan. Alors un moyen de l'en sortir, c'est de lui retirer ce qui le bloque, ce qui l'empêche d'avancer. Et dans une certaine mesure, nous pourrions dire qu'en lui retirant son talent, le maître le libère de ce qui le retient captif. Vous savez, c'est lorsque nos possessions nous possèdent. Et bien dans ce cas-là, mieux vaut se séparer de ses possessions. En voulant cacher son talent pour le préserver à tout prix, cet homme était devenu finalement obsédé du salut de son talent. Il était en quelque sorte devenu un fanatique du talent, à la manière de l'harpagon de Molière qui ne jurait plus que par ses écus et qui était bouleversé dès lors qu'il en manquait un. Un harpagon qui, lorsque sa cassette, sa fameuse cassette avait disparu, en venait à s'écrier « Je me meurs, je suis mort, je suis enterré ». Retirer au serviteur ce talent qui le mine, c'est lui retirer les chardes de la chair pour que prenne fin l'affection. C'est retirer la tumeur qui se répand dans tout le corps. C'est retirer l'œil ou la main qui le fait chuter constamment, disait un peu plus tôt dans le même évangile Jésus. Mais l'attitude de ce maître ne s'explique pas totalement par cette pédagogie qui consisterait à retirer les problèmes quand ils se présentent, à la manière des parents qui retirent tous les objets sur le passage de leur jeune enfant pour qu'il ne les attrape pas et qu'il ne les fasse pas tomber. Car cela ne reviendrait qu'à déplacer le problème dans le temps, problème qui ressurgirait tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Lorsque Jésus, en racontant cette parabole, en vient à dire que qu'à celui qui n'a pas, il sera ôté même ce qu'il a, on vient à dire que ce n'est pas là un conseil qu'il faudrait suivre, que ce n'est pas une explication sur la manière dont Dieu agit. Ce n'est pas là la pédagogie de Dieu, c'est plutôt une description de ce qui arrive lorsque nous agissons ainsi, une description de la condamnation que nous nous infligeons nous-mêmes, lorsque nous agissons de la sorte. Pour le dire
avec le théologien du process, John Cobb. C'est une manière de dire que lorsque nous nous fermons à Dieu, lorsque nous nous privons des nouvelles possibilités que Dieu nous donne, de tout ce qu'il instille dans notre vie, de tout ce dont nous parlions tout à l'heure au moment du baptême, eh bien, lorsque nous nous privons de cela, c'est nous-mêmes qui réduisons nos possibilités d'être. C'est nous-mêmes qui amputons une partie de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui limitons nos potentialités. Nous nous refermons sur nos capacités propres, qui ne sont souvent pas plus brillantes que celles d'une pauvre petite paille, bien emballée, mais bien fragile. C'est la raison pour laquelle, au rugby, vous serez pénalisé à chaque fois que vous retiendrez le ballon au sol. Car en agissant ainsi, vous empêchez le jeu de se développer. Cacher le ballon au sol, c'est mettre un terme au champ des possibles. Et si l'arbitre vous sanctionne, ce qu'il fera inévitablement, c'est parce que vous vous êtes vous-même condamné à l'impasse. L'arbitre ne fait qu'annoncer haut et fort que vous avez arrêté le jeu. Il n'y a plus qu'à passer le ballon à l'autre équipe, le talent à l'autre serviteur. Cet autre serviteur qui avait reçu 10 talents et qui, les ayant fait travailler, en a obtenu 10 autres, ce qui est plutôt un bon rendement. Il devait avoir un très bon banquier. Ce n'est là bien sûr qu'une image. Ce sont les banquiers escrocs qui nous font du 100% de rentabilité. Eh bien, cela illustre l'attitude qui convient mieux en pareilles circonstances. Ce serviteur, ainsi que l'autre qui avait reçu les 2 talents, est un serviteur qui ne vit pas sous l'influence de l'illusion que son maître est dur. Et du coup, il a agi bien plus tranquillement en remettant ses talents en jeu. Ce serviteur ouvre le jeu. Il fait preuve d'un esprit d'ouverture, une sorte de demi-d'ouverture, contrairement à l'autre serviteur qui avait tellement le souci d'être irréprochable qu'il en était devenu égocentrique, ne pensant qu'à lui-même, oubliant qu'il y avait un environnement qui pouvait lui venir en aide. Ce serviteur aux 10 talents a fait preuve d'un bel esprit d'ouverture qui n'est pas, je trouve, sans rappeler ce que Jean Calvin dira au sujet de l'économie quelques siècles plus tard. Je le cite. « Or, l'Écriture nous montre que tout ce que nous avons reçu de grâce du Seigneur nous a été confié à cette condition que nous le conférions au bien commun de l'Église. » Et par l'Église, il ne s'agit pas d'entendre le sens limitatif rapporté à la communauté ecclésiale, au bâtiment ou à l'institution. L'Église, c'est le peuple que Dieu suscite, c'est l'humanité. Et un peu plus loin, il continue ainsi, « De tout ce que le Seigneur nous a donné, en quoi nous pouvons aider notre prochain, nous en sommes dispensateurs, à nous de répandre, ayant un jour à rendre compte comment nous nous serons acquittés de notre charge. » Ce que Calvin développe, c'est une véritable éthique de l'économie, où le commerce est envisagé comme un moyen de communication, comme une possibilité de relier les hommes entre eux, comme une manière de décloisonner le monde et de le rendre plus humain, plus fraternel aussi. Cette éthique de l'économie est agnostique, en ce sens qu'elle n'est pas une idéologie sclérosée qui se cramponnerait à une vision dogmatique du monde, des hommes, des sociétés. Il me semble que Dieu nous encourage nous-mêmes à être agnostiques, c'est-à-dire à refuser cette sclérose de l'esprit qui empêche toute forme de communication des idées, des biens, des ressources. Dieu nous encourage à être agnostique au sens où il nous encourage à refuser d'avoir
une idée, une seule, et à y tenir. Le chrétien est agnostique au sens où il est sans idée, sans une seule idée, ce qui lui permet de les avoir toutes. Dieu ouvre notre esprit à toutes sortes de possibilités pour libérer notre énergie créatrice, pour être plus fort, plus riche de ce qu'il nous propose à travers celles et ceux que nous rencontrons, celles et ceux avec lesquels nous faisons corps, celles et ceux avec lesquels nous faisons équipe, communauté, famille. Et au fond, ce que Dieu nous dispense, ces talents qu'il nous offre, ne sont pas des boulets qu'il nous faudrait traîner. Ce sont des pépites qui sont pour nous un capital que nous pouvons faire valoir. C'est une reconnaissance qu'il fait à notre égard. C'est une confiance qu'il nous donne. Et cette confiance, c'est ce qui permet de surmonter la peur. Dieu nous fournit en matière première, en quelque sorte, pour que nous ayons les moyens d'affronter les situations les plus dures qui soient. Dieu ouvre notre esprit à toutes les libéralités qu'il nous propose et qui sont autant de moyens qu'il met à notre disposition pour féconder le monde, pour le rendre plus beau, plus agréable, plus vivable. Cette parabole, au fond, nous révèle que Dieu tient compte du fait que chacun a des capacités différentes, il ne donne pas le même nombre de talents à chacun. Chacun a aussi des rythmes différents, des idées différentes, des capacités différentes donc, et ces différences ne sont pas un obstacle dans la vie. Ce qui fait obstacle, c'est lorsque nous nous enfermons, lorsque nous nous emballons dans le fanatisme d'une vision unique des choses, dans le fanatisme d'une orthodoxie qui ne fait que nourrir la peur. La peur de l'extérieur, la peur de l'autre, la peur de l'échec. Et finalement, si la vie est comme une pomme de terre, et que nous sommes comme une paille bien emballée, il y a là une situation dont Dieu ne se satisfait pas vraiment. Il y a là une situation qui, du point de vue de Dieu, mérite qu'elle soit singulièrement contrariée. Quel est le travail de Dieu ? C'est finalement de nous permettre de nous ouvrir au monde. C'est de nous permettre de nous déballer, de sortir de ces lieux où nous nous enfermons et où nous nous sclérosons toujours un peu plus. Si nous ne nous en tenons pas qu'à nous-mêmes, si nous accueillons le fameux souffle de Dieu qui nous traverse, qui nous inspire, qui nous creuse en profondeur, si nous nous ouvrons à ce qu'il nous offre, si nous acceptons donc de sortir de notre emballage qui nous donne peut-être un sentiment de sécurité mais qui nous donne l'absolue incapacité de vivre pleinement notre vie, alors, si nous faisons cela, que de merveilles serons-nous capables d'accomplir ? Que d'obstacles serons-nous à même de franchir ? À même de traverser. Et pour reprendre l'idée du théologien Nicolas Berdiaeff, notre génie créateur, cet esprit d'ouverture que Dieu nous dispense, notre capacité d'invention nous permettra de surprendre Dieu lui-même. Amen.